Et allô les potes, c'est Nofuséum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un petit peu plus coup de gueule que d'habitude. Je vous cache pas que là depuis quelques jours, je commence à en avoir un peu marre là, de tout ce qui est Ankama, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi, ça concerne bien évidemment, vous le savez, toute la mise à jour qu'on attend sur 1.29. Donc pour vous faire un petit récapitulatif les gars, en février dernier, si je dis pas de bêtises, même peut-être fin janvier, c'était quelque chose comme ça. On a vu un sondage sur 1.29 nous demandant qu'est-ce qu'on attendait pour la version, qu'est-ce que les joueurs voulaient corriger comme bug, etc. De là, on n'avait pas eu de réponse pendant plus de 3 mois et demi. Et là, il y avait à peu près un mois de ça, 3 semaines, un mois, on a eu enfin une réponse, cette fameuse réponse qui était celle-ci, voilà, suite au sondage. Donc ça c'est pas ici, c'est plutôt comme ça. Voilà, c'était voilà cette fameuse. Donc c'était le 4 juin. Donc le 4 juin c'était il y a 20 jours. Voilà, exactement il y a 20 jours les gars. Donc ça va faire 3 semaines demain que ce sondage est sorti. Donc voilà, 3 semaines qu'on nous avait promis des choses. Moi, j'avais fait une vidéo dessus, j'étais ultra hypé, ultra content. Vous allez voir pourquoi je suis énervé, parce que j'avais fait tout enfin j'avais plein de projets tout ça et j'attendais justement cette mise à jour pour que ça arrive. Donc voilà, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on nous avait annoncé? On nous avait annoncé le mode tactique. Donc le mode tactique très important pour les projets que j'avais. Que ce soit, je vous en parlais notamment du PVP. Il faut savoir que jouer actuellement en PVP sans mode tactique, c'est impossible sur 1.9. La map PVP est horrible. En fait, elle est, graphiquement, elle est horrible pour jouer tout simplement. C'est impossible, il y a trop de buissons, etc. Surtout quand vous avez besoin d'aller sur ce. Je parle surtout du côté droit de la map. Je sais pas si vous voyez, si vous visualisez bien. Mais voilà, cette map là, sans mode tactique en PVP, demandez à n'importe quel joueur, je pense, PVP du serveur, c'est injouable tout simplement. Sachant que déjà jouer 16, 17, voire 18 PA, plutôt 17, mais 16, 17 PA en un tour sur Dofus 1.9 en utilisant vos PM en y réfléchissant, c'est très short. Alors imaginez sans mode tactique quand vous ne savez pas où est votre adversaire, que vous devez calculer, enfin c'est vraiment les gars une abomination, c'est impossible tout simplement de jouer en PVP. Donc déjà que je suis nul personnellement, ça ne m'avantage pas non plus. Et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne propose pas actuellement de PVP alors que j'aurais très envie d'en proposer. Deuxième chose, ce mode tactique, j'avais abonné ma team Sadi pensant que d'ici 2 semaines, après une semaine, 2 semaines après le plaid, puisqu'ils avaient entendu que justement on avait fait, oh les gars, ça fait 3 mois que vous n'avez pas donné de trucs sur le sondage. Je me suis dit, putain, ils ont annoncé le truc, ils vont le faire vite, quoi. C'est-à-dire que dans 2 semaines, on a cette fameuse mise à jour qui arrive, quoi. Enfin, quand vous annoncez quelque chose, les gars, c'est chiant, ça. Enfin, c'est vraiment le point d'Ankama qui est chiant, c'est qu'au final, dès qu'ils nous annoncent un truc bien ou quoi, eh bien, c'est toujours trop tard. Et là, pour moi c'est trop tard, ça me saoule en fait, genre vraiment d'attendre autant de temps. J'avais abonné mes Sadi, j'attendais d'aller au Krala, donc j'attendais d'avoir mon petit mode tactique pour que ce soit plus sympa à proposer pour vous, parce que sinon c'est illisible quand je suis en live ou quoi de faire du Krala sans le mode tactique. Et voilà, tout simplement, je perds un mois d'abonnement, donc 20 balles sur les 4 Sadi, uniquement parce que on nous annonce des choses qui sont pas encore une fois faites, tout ça. Donc certes, ils nous disent bien, nous ignorons dans combien de temps cette version pourra proposer, nous reviendrons vers vous lorsqu'une date pourra être fixée. Mais justement, moi, ils seraient revenus vers moi en me disant, ben tiens, ça sera tel jour, ok, mais là, ça fait un mois, on n'a toujours pas de date. Genre vraiment toujours pas de date. Donc en attendant, bien évidemment, on sait, il n'y a aucune tolérance de la modification client, donc ça, voilà. Et voilà, tout simplement, tout ça, on attendait. Moi, ce que j'attendais aussi beaucoup, c'était ça, voilà, les hôtels de vente, les gars, tout ce qui est mémorisation de la quantité, parce que vous avez vu les banques que j'ai, les gars. Imaginez, quand je mets en vente des choses, ça me prend 2-3 heures. Et donc moi, pareil, j'attends ça pour mettre en vente toutes mes banques. Il y a plein de choses comme ça qui sont super chiantes. Enfin, je vais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour faire un petit coup de gueule comme ça, parce que ça m'énerve. Sachant que j'essaie d'envoyer des mails, les gars, essayer d'envoyer tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune réponse. Et les mecs voient les messages, mais ils s'en foutent. Tout simplement, donc j'ai l'impression d'être encore pris un peu pour un con. Voilà, c'est tout les gars pour cette vidéo, assez saoulé. Je pense quand même que je vais quand même stream Ludofus cette semaine, parce que mine de rien le jeu me plaît tout ça, mais ça me fait un petit peu baisser en motivation. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis trop dur là ou pas les gars, ou est-ce que vous aussi vous pensiez que ça allait arriver un peu plus vite que ça une nouvelle fois, parce que mine de rien on est quand même à 6 mois entre le fameux sondage pour l'instant et la non mise en pratique. Donc
Je suis désolé, mais quand je regarde les gars, les trucs que font IGG, tout ça là, sur les Discords qu'ils proposent, ou même les Dofus HD, les machins comme ça, ils sont tout seuls, ils sont absolument tout seuls, et ils font des trucs genre 100 fois mieux. Donc à un moment donné, il faut se demander si Dofus ça doit pas venir, ça doit pas devenir un jeu genre privé quoi. C'est ouf, mais genre pour qu'on soit un peu pris en compte, parce que là, j'avais l'impression qu'on allait être pris en compte les gars, honnêtement. Et je sais pas, vraiment, je suis peut-être très dur là aujourd'hui, les gars. Et peut-être que c'est aussi sous le coup de. Je suis saoulé parce que j'attendais vraiment beaucoup de ça. Mais y a rien quoi, y a rien qui se passe. Voilà, les gars, le 4 juin et tout. Tout le monde était hypé le 4 juin, regardez. Hein. Tout le monde était hypé, hâte de voir ça en jeu. Grigio de ma part, Ameno, tout ça. Très lourd. Enfin, vous voyez, les gars, tout le monde était ultra heureux. C'est ça qui est ouf, c'est que putain. En vrai. Fait, j'avais demandé les gars un petit peu aux gens qui s'y connaissaient. Apparemment, tout ça prend pas longtemps à être mis en place. Ça prend vraiment pas longtemps à être mis en place, tout ça. Hein. Fait bon, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On va quand même faire le tirage au sort, bien évidemment. On va faire le tirage au sort, les gars, de la vidéo précédente. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je devais vous lancer la vidéo sur les boss de donjon. Elle est préparée, elle est prête à sortir. Elle sortira du coup demain ou après-demain. Mais j'avais vraiment envie de faire ce petit coup de gueule parce que c'est chiant, quoi. On envoie des messages, ils nous répondent pas non plus. Donc voilà, c'est ce petit coup de gueule. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si je suis trop dur ou si vous aussi ça vous saoule un petit peu, quoi qu'il en soit. Voilà, les gars. Dites-moi tout ça dans les commentaires, en tout cas. Du coup les potes, on se retrouve quand même bien évidemment pour le tirage au sort de la vidéo, on change pas nos habitudes. Comme à chaque fois c'est facile, il y a plusieurs millions de kamas mis en jeu à chaque fois les gars par vidéo, jusqu'à 10 millions de kamas à gagner tout simplement. Vous avez vu que j'ai retiré les PL pour l'instant, j'ai pas envie de faire du Krala tant qu'il n'y a pas le mode tactique, tout ça les gars. Ça me donne pas envie pour l'instant, ni d'en proposer en live, sachant que quand je joue à Dofus les gars, à chaque fois je stream. Donc vu que c'est pas agréable à proposer en live, tout simplement j'en fais pas. En ce moment je fais beaucoup de drop Dofus, etc. C'est le seul truc que je peux faire entre guillemets sans que ce soit trop chiant à regarder, puisque le PVP est infaisable tant que j'ai pas ce mode tactique, honnêtement. Donc les gars, pour participer, pour tenter de gagner 10 millions, c'est très simple. Il faut juste vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a à faire et vous pouvez gagner jusqu'à 10 millions tout simplement. Aujourd'hui, il y aura à gagner, attention, 1 million de kamas les gars. 1 million de kamas et le vainqueur de la vidéo précédente, c'était Creighton Game. Du coup frérot, tu remportes 1 million. Les gars, pour juste revenir sur un petit point, je pense aussi que je suis un peu saoulé parce que vraiment j'avais de gros espoirs et j'avais plein de projets, tout ça. Et que tout simplement ça me retarde encore plus dans ce que je vais vous proposer. Quoi qu'il en soit, je pense de toute façon refaire un tour sur 2.0 très prochainement, puisqu'il y a toutes les matchs qui s'y passent, etc. Et que quand ils délaissent les 1.9 autant, ben, j'ai envie juste pour l'instant de faire un petit peu de PP sur 2.0 sur 1.9, faire des petits comparatifs, voir un petit peu les deux. Et en attendant tout simplement qu'il y ait un petit peu cette mise à jour qui soit faite. Dites-moi de ce que vous en pensez de tout ça les gars dans les commentaires, c'est très important pour moi, voir si je suis un peu trop dur ou si tout simplement c'est un avis qui est assez partagé par la communauté. Voilà les potes, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain pour une vidéo un peu plus tournée PVM avec les fameuses captures aléatoires. Les gars, c'était Dofusium, bye.